Alberto Breccia, né en Uruguay en 1919 et mort à Buenos Aires en 1993, a vécu la dictature féroce de la junte militaire dirigée par le général Videla à partir de 1976. En 1980, il entreprend, avant même la transition démocratique, avec l'aide de son gendre Juan Sasturain, de témoigner pour les morts dans une bande dessinée magnifique, sombre et féroce, une fresque de plus de 450 pages, Peramus. Voici la toute première planche. Les escadrons de la mort de la junte militaire apparaissent dès la quatrième case, installant d'entrée de jeu un climat de peur. Les quatre soldats dont nous voyons la face présentent un aspect identique, interchangeable, exactement comme les trois policiers dans un autre récit célèbre de Breccia d'après Edgar Allan Poe, Le cœur révélateur. Déshumanisés, les soldats ont perdu leur visage. La tête de mort qui apparaît sur leur casquette ne fait que dupliquer leur propre masque macabre. La forme elliptique de leur casquette blanche fait écho visuellement à la lune blafarde que nous montrent les premières images. Dans la suite du récit, cette lune sera le plus souvent dessinée comme un astre noir, symbole de la nuit qui s'est abattue sur le pays. Dans nombre de ses œuvres, Breccia a représenté les mêmes faubourgs pauvres de Buenos Aires, en particulier le quartier des abattoirs aux maisons basses et aux rues boueuses, dans lequel il a lui-même travaillé à l'adolescence. Les maisons que l'on distingue ici relèvent d'une architecture abstraite. Ce sont des constructions mentales qui ne prétendent pas au réalisme. Breccia les construit à partir d'un assemblage de papiers découpés, sur lesquels il a préalablement imprimé des matières et des nuances de gris, en mélangeant des techniques diverses. Sur ce fond fantasmagorique, tels des insectes grouillants, les silhouettes en noir et blanc des soldats se détachent avec la plus grande netteté. Dans le bas de la page, celui qui ne s'appelle pas encore Peramus est alerté par le bruit que font les soldats à l'approche de sa cachette. Il va fuir par les toits, abandonnant lâchement ses amis résistants au moment où les sbires du régime s'approchaient pour les arrêter. Un peu plus loin, il se retrouve dans un bordel pour noyer son chagrin dans les bras d'une prostituée. La matrone lui en propose différentes. Maria pour le plaisir, Rosa pour l'avenir et Margarita pour l'oubli. Notre héros choisit l'oubli et de fait, il devient amnésique. L'histoire de cet homme sans mémoire commence. Il se nomme Peramus, d'après la marque inscrite au revers de son manteau, qui est désormais sa seule identité. Peramus erre dans cet espace mental. Certaines planches rattachent le personnage au contexte politique du pays. Dans cette œuvre, on croise des personnalités politiques et artistiques telles que Ronald Reagan, Henry Kissinger, Carlos Gardel, James Joyce et surtout Jorge Luis Borges. Ce dernier est ici transformé en héros de la conscience nationale, lui qui dans la réalité se tue au lieu d'user de sa gloire pour résister. Un peu plus loin dans l'histoire, Borges réussit à mobiliser Peramus pour redonner une âme à la ville de Buenos Aires, rebaptisée ici Santa Maria. Selon lui, celle-ci s'efface et va disparaître comme Hiroshima si l'on ne fait rien. Peramus effacera ainsi son péché originel, celui d'avoir lâchement abandonné ses amis résistants au début de l'histoire. Ce sera le début d'une suite d'épreuves et de péripéties au cours desquelles il cherchera à faire coïncider destino, le destin, avec son anagramme sentido, le sens. Les dessins sont exécutés au lavis, sans crayonné préalable, témoignant d'une virtuosité extraordinaire. Breccia expliquait « J'ai réalisé Peramus au lavis, avec plein de nuances de gris, parce que Buenos Aires, pendant la répression, s'éteignait. La ville devenait grise, perdait son âme, tout était gris de silence et de peur. » Dans cette planche, un quartier de Buenos Aires est représenté avec cette légende en bas à gauche. La ville est en quelque sorte le plan de mes humiliations et de mes échecs. Ce propos pourrait être celui de toute une génération d'Argentins sacrifiés sur l'autel de la dictature militaire.